puisque nous aurons le concours de la virtuosité, c'est-à-dire des figures et des réceptions stabilisées au millimètre. Voici pour la Roumanie, Simona Amanar, championne du monde par équipe, avec Lavinia Milosovici et Mademoiselle Gojean. La Roumanie, toujours présente au plus haut niveau, qui a devancé la Russie et la Biélorussie depuis maintenant un bon moment. Et même si Nadia Comăneci est retournée en Roumanie, aïe, petit passage difficile. Et oui, on accroche le pied sur le franchissement Kachov. Ici le Ginger. Je vous disais donc que Nadia Comăneci est revenue en Roumanie pour aider cette équipe roumaine à devenir championne olympique Atlanta. Et Simona Amanar, qui nous a fortement impressionné lors du concours général hier soir. Le franchissement dorsal à l'écart, c'est le fameux Kachov, du nom du Russe qui a inventé ce mouvement. C'est exact, et qui entraîne actuellement en France. Et il est là, Kachov, en France, c'est oui, vrai. Kachov, il est sur On parle moment. De lui, c'est le plus cité. Allons maintenant découvrir la Roumaine Simona Amanar, qui a été championne du monde par équipe avec Lavinia Milosovici et puis Gojean. Elle prépare sa barre elle aussi, elle a mis un petit peu de magnésie, un petit peu d'eau pour une meilleure adhérence. Maintenant elle court vers la boîte de blanc. Et je dis bien la magnésie parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont écrit pour savoir ce que c'était. Certains ne le savent pas. Ils pensaient que c'était du talc. Alors, oh, grand Dieu, ne jamais mettre du talc dans les mains d'un gymnaste. Oui, ni d'un haltérophile d'ailleurs, ça glisse. Oh, la belle sortie que nous réalise Simona Amanar. Voilà, vrille salto arrière, corps groupé. On revoit ce ralenti. Voilà, prise d'élan, soleil, accélération, ici on s'allonge sous la barre, le fouet, on monte les genoux, la vrille groupée dans le premier salto. On pourrait penser qu'elle a eu un petit sursaut, mais avec une telle maîtrise qu'il aura passé forcément inaperçu aux yeux des juges. Donc bravo Simona. C'est parfait. Se présente à la... Et la chute.